Le premier extrait du nouvel album qui va sortir en mi-octobre, qui est Hors la loi. Et puis, je fais un duo avec Sébastien Plante. Vous faites un duo? Oui, le blues du businessman. Le blues du businessman avec Sébastien Plante, ça va être quelque chose, ça? Vous avez répété, commencé déjà? On n'a pas commencé, mais on est sur le point. En fait, on est en train de mettre les touches finales aux tonalités, aux arrangements. J'ai choisi, en fait, cette chanson-là, je l'ai proposée à Mélanie parce que je me disais que ça pourrait être cool d'avoir une rencontre, finalement, un peu entre la version de Claude Dubois, que j'aime beaucoup, et la version de Céline, que Mélanie aime aussi beaucoup. Est-ce que vous allez avoir chacun vos partitions? Non, pas nos partitions, mais disons qu'en fait, oui, on va répartir le texte, on va faire le découpage pour ça. Je vais laisser à Mélanie le choix de le privilège. La courtoisie, l'élégance et la galanterie. Vous l'avez dit. Ben oui, effectivement. Avez-vous déjà choisi ce que vous allez chanter dans le blues du businessman, puisque Sébastien vous laisse le choix? Non, pas encore. Pas encore? Non, ça s'en vient. Mais à vous regarder, je pense que vous allez faire d'un commun accord aussi. Oui. Vous n'allez pas trop tirer sur la couverture. Non, non, non. On va splitter ça 50-50. En fait, c'est le plaisir de l'harmonie aussi de chanter ensemble. Absolument. C'est pas notre premier bal. En fait, on a eu l'occasion de chanter ensemble à quelques reprises. Puis ça a toujours été très agréable pour moi. J'espère que pour elle aussi. Et pour vous aussi. Oui, de même, oui. Tout à fait. Nous serons là pour voir ce blues du businessman avec Mélanie Renaud et Sébastien Plante dans le cadre de Diversité.